voir si sa mentalité ressemble au beau visage et au beau corps qu'elle a. Et est-ce que ça dure? On a parlé un peu, on parle au restaurant, on mange. Ah, tu vas bien? Oh, ouais, ça va. Ouais. Ah, mon fils, tu vas où? Les vacances, comment ça va? J'ai avec ma mère, toi et toi et ta mère. Ne me parle pas de ma mère! J'ai regardé à gauche. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me parle pas de ma mère! Une voix bizarre. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Non. Son visage devient vilain. Ne me parle pas de cette femme-là. Ouh, elle t'a fait quoi? Elle m'énerve. C'est pas que, je m'entends que peut-être que la femme-là n'a bastonné ou quoi. Non, non, non. Elle dit elle-même, elle énerve. Ah, moi j'ai eu peur. Je cherche un marché. Moi, je suis africain. Je suis pas venu aux États-Unis pour maigrir, pour mourir ici. Garçon, garçon, garçon. Oui, l'addition. Qu'est-ce qu'il y a d'ici? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Moi, on m'a appris dans ma famille que si une personne a le MCTD, mauvais cœur très dur, avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs, toi là, elle va te rendre poussière. Je n'ai pas besoin de. Peut-être que tu vas me dire que non, ta maman t'a violée, t'a coupé la main. Non, non, non. Tu m'as dit que elle t'énerve. Tu non, pardon. C'est pas forcé. Moi, j'ai arrêté. Pas fait ça. J'ai dit non, là, il faut que je rentre. Ok, c'est bon. Non, non, il faut que je rentre. Ok, si, non, écoute, moi, je dis franchement, je n'ai pas de problème. Parce que la façon dont tu parles, ta mère, ton visage change, ta voix devient grosse, on dirait Chucky et tout ça, la poupée. J'ai dit non, 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 non. Là, tu m'amènes à un autre niveau. Là, tu m'amènes à un autre niveau. Moi, j'ai eu peur. Hein. J'ai dit non, non, non. 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 Là, tu m'as amené. Non. La façon dont elle a parlé, là, elle m'a fait peur. Vous connaissez la poupée bizarre. Là. Il y a une poupée bizarre, là, aux States. On l'appelle Chucky. Vous la connaissez? C'est une poupée. Mais quand tu vois la poupée là, elle vient carrément pour en finir avec vous. Vous connaissez la poupée là? Ah, elle était comme Chucky. Donc quand je dis comme ça, j'ai oublié qu'elle était belle. J'ai oublié la beauté. Là, quand je dis comme ça là. Et que j'ai vu comme ça avec mes yeux. Je dis, ah! Je dis, non. Je dis, non, 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 non. Laisse ça. Non, quand je l'ai vu comme ça, moi j'ai eu peur. Je dis, non. Voilà, elle était comme Chucky. Ouais, Chucky, non. Voilà, Chucky, là. Donc, Chucky, c'est quoi? Chucky, c'est une poupée. C'est elle qui parlait. Oh. Aux États-Unis, il n'y a pas de mots ici. Donc, elle est passée de une belle fille, bien, tout ça, tu vois, moi. Tu vois, le bise, comme on dit, tu vois, au pays. Tu vois, elle est passée vraiment d'une miss, tu vois, comme ça. Non. Quand tu vois la go, comme ça, non, elle est trop belle, quoi. Tu dis non. Non, non, ça c'est une miss. Tu vas voir comme ça, tu dis non, elle a vraiment, pardon. Regarde le visage. Waouh, ça c'est un ange. Donc, quand tu vois une personne qui est comme un ange, mais après la personne carrément, mais oui. Donc, quand tu as vu comme ça, j'ai vu, je me suis dit, oh, j'ai dit non. Celle-là, là. Non, pardon. Elles vont en finir. Elles vont finir avec nous. Donc, il faut faire attention à la vie, mes amis. Parce que quand vous n'êtes pas encore dans un système, vous pouvez passer d'une personne bien. C'est que, regardez, vous ne pouvez pas passer hein, de Chucky à une belle femme. Donc, vous êtes là comme ça, tout va bien. Non, vraiment, tu vas bien, comment ça va? Non, vraiment, tu la rencontres, elle est belle et tout. Oh, vraiment, non, la go. Oh, non. Ça, c'est la go. Tu appelles même. Oh, coach William, j'ai trouvé. Oh, coach, merci. Oh. Après, dès que tu fais un truc, tout ça et tout, tu n'aimes pas ce qu'elle veut et tout, boum, elle devient comme ça. Là, tu as des problèmes maintenant. Parce que non seulement, là, c'est carrément. Parce que quand une personne est possédée, la personne devient forte. Donc, ça peut être une fille avec un petit corps, elle peut te bastonner. Parce que les démons, il paraît qu'ils sont presque 1000 fois plus forts physiquement qu'un homme.
Donc, un démon à lui tout seul, sans témoin, peut te tuer même avec les mains. Donc, il faut choisir. Vous voulez être comme, comme la femme là, ou bien Chucky. La femme là, ou bien Chucky. Fais attention, la vie. Fais attention. Donc, quand vous voyez certaines situations comme ça, c'est à vous de décider que non, 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 non. Je dois changer de vie. Et c'est la même chose pour les hommes aussi. Tu peux voir un homme, il est bien. Tu vois le gars, non. Il ressemble vraiment à Denzel et tout. Regarde le swag du gars quand le gars marche. Tu as même le goût. Tu as fait déjà les copines que non. Les gars, non, les gars, non. Moi, j'ai trouvé, non. J'ai trouvé, non. J'ai trouvé, les gars. Après, tu dis un petit truc, machin. Le premier rendez-vous, un gars vous gifle. Mais ça, c'est normal. Premier rendez-vous. Tu dis un petit truc, tu dis un peu. Oh, j'ai pas mal. Wouh! Tu dis, oh non, peut-être ça a emporté. Mais tu as des problèmes? Tu as des problèmes? Non, faut choisir. Hein. Faut choisir. Bon, je vais commencer maintenant à enseigner. Ça, c'est la base. Donc, le pouvoir d'organisation, il y a une femme qu'on appelle Terry Savell, qui est la fille de Jerry Savell, qui est le premier partenaire de Kenneth Copeland. Il a fait une vidéo sur la vision, c'est pas l'anglais, il faut suivre la vidéo, où elle dit que 98% des millionnaires ont des objectifs qui sont écrits sur papier. Toute la semaine, j'ai un programme, c'est ce que je vais faire tous les jours. Toi qui me suis là, est-ce que tu sais ce que tu vas faire mardi, mercredi, jeudi? Vendredi, samedi, dimanche. Vous savez, l'onction est attirée par l'organisation. Pas par le désordre. Le désordre fait partie du diable. Le diable n'est pas ordonné. Le diable est persistant. Vous comprenez ça? Donc, c'est à vous de structurer quand même votre vie. Mais j'ai un cours qui donnera plus de détails sur ça. Bien sûr, le cours La puissance du chiffre 12, qui en parle le plus. Mais voilà. Donc, je veux qu'on lise un passage qui va vraiment. Et puis, je vais commencer à un peu élaborer certaines choses. Allez sur Psaume 139, versets 7 à 10. Psaume 139, versets 7 à 10. Okay. Somme 139, versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore, que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ok? On va dans un autre passage. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 6 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Parce que, vous savez, ça, c'est les bases dans la vie. Si vous n'avez pas les bases, quelle que soit la stratégie, quel que soit l'endroit où vous voulez aller, il y aura quelque chose qui va manquer. Des fois, Dieu veut te bénir avec 10 millions d'euros. Toi, le diable te donne 400 000 euros, tu es content. C'est bien pour les gens qui ont réussi. Oh, c'est bien. Waouh, j'ai 400 000 euros. Waouh, j'ai acheté ton appartement crash à Paris. Waouh, c'est bien. Oh. Mais Dieu veut te donner 10 millions. Mais le diable t'a blagué. T'as donné 400 000, t'as arrêté là. À cause du mauvais comportement. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 10. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage,
bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministre de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ça verset 11, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ce dont je parlais là, vous êtes insensibles, bon, vous parlez, vous ne comprenez pas. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Le MCTD, mauvais cœur très dur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, aïe, 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 le voile. Seigneur, là est la liberté. Couvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Coach, je ne connais pas mon talent, je ne connais rien, je ne vois rien. Il faut aller, c'est 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 3, verset 6 jusqu'à 18. Or, je ne comprends rien, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que ton cœur n'a pas encore été converti. Tu as été converti dans la tête. Tu as été converti avec les lèvres. Mais ton cœur n'a pas encore été converti chez le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Ton cœur n'a pas été converti. Ton cœur n'a pas été converti. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu t'a donné les désirs. Le désir ne peut pas rester brut. Le désir doit être amélioré par l'Esprit Saint au fur et à mesure. C'est comme ça que ça grandit. C'est comme ça que tu augmentes. C'est comme ça que tu vas à un autre niveau dans ta vie. Mais tu ne peux pas vouloir devenir coach, vouloir commencer dans ta destinée, vouloir te marier parce que tu as perdu 10 kilos. Je pesais 70 kilos là. Là, je suis à 62. Je suis comme quand j'étais sorti. Comme quand j'étais à la première année du lycée. Là. C'est que même quand je marche là, ça bouge, mais ça ne se secoue pas. Tout est compact. Là, vraiment, c'est fort. Quand je sors là, tous les gars vont mettre mon numéro de téléphone. Et je n'ai pas encore compris quelque chose dans la vie. C'est pas parce qu'un gars te donne un compliment, ou bien qu'il veut te parler, ou bien qu'il t'appelle, ou bien qu'il t'invite au restaurant, que ça va aller vers le mariage. On appelle ça l'amour du poulet, comme a dit Pasteur Mohamed, c'est-à-dire qu'il veut manger. C'est tout. Ici aux États-Unis, ici à Atlanta, il y a une loi qui fait en sorte que si un gars t'invite dans un restaurant, surtout les restaurants des fruits de mer, dans un restaurant, et tu manges vraiment sérieusement, mais tu ne payes rien du tout. Écoutez-moi bien, ça veut dire que tu dois payer. Mais qu'il est venu te chercher. Et qu'il doit te redéposer. Et que toi, quand il te dépose, tu lui dis non, viens, monte dans l'appartement. Ça veut dire que tu dois le payer pour ce qu'il t'a donné à manger. C'est à quel point le monde est là. Il y a un message qui passe en ce moment sur le féminisme, la femme, tout le reste. Il y a une femme guinéenne qui a beaucoup de... Je dois l'interviewer bientôt. Il y a peut-être 50 000 personnes dans un groupe et qui parlent en fait des droits de la femme et tout le reste. Et je vais l'interviewer et je vais dire non, il y a une différence entre les droits de la femme et la perversité du mouvement féministe. Ok, ok. Merci Darcy. Merci pour le live. Merci. Arrête un moment. Arrête le live. Dieu ne nous a pas, Dieu nous a bon. Pas créé pour vivre sans l'un et l'autre. Tu ne m'entends pas. Il n'a pas créé l'homme. La régie, la technique là. Couper le live. Tout seul. Oh. Mais Dieu a dit que. Ok. Merci. Bon. Donc, vous avez aimé le live.
J'espère que ça s'est bien passé. Mais malheureusement, en 2018, je ne vais pas laisser les lives en entier. Je vais vous dire exactement que chaque live, en fait, a un objectif. Je ne veux pas perdre mon temps et je ne veux pas perdre votre temps. Donc, je veux en fait trier les gens qui veulent vraiment changer, les gens qui veulent vraiment recevoir la connaissance pour augmenter la connaissance de base et amener les choses à notre niveau. Donc, je vous invite franchement à aller dans mon mastermind mensuel où tous les lives seront disponibles en entier, où je répondrai aux questions en détail, plus un cours détaillé sur la stratégie média et un cours détaillé sur le pouvoir de la vision, comment en fait définir certaines choses et aller à un autre niveau. Très important. Comment définir en fait des objectifs, écrire la vision et obtenir ta vision et utiliser en fait une stratégie média pour écrire ton livre, faire de l'argent avec des vidéos et pouvoir maximiser le potentiel que Dieu a mis en vous. Plus d'informations, allez sur darcyogandaga.com. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié le peu de minutes du live que vous avez vu. Vous avoir plus de renseignements, plus de vidéos, plus de bonus pour me poser des questions. Je fais plus de coaching personnel, malheureusement. Vous pouvez me joindre dans mon groupe coaching qui est ouvert du 10 janvier au 10 février. Et bien sûr, si vous devenez un coach, allez vous inscrire à ma formation de coaching du 15 janvier au 15 avril. Darcy Ogandaga, CEO Trudeau Media à darcyogandaga.com. Merci bien, en direct depuis Atlanta. On se parle dans nos prochains lives qui aura lieu tous les lundis à 14h, heure des États-Unis. Au revoir.